Salut tout le monde, c'est Snipey44 et aujourd'hui une vidéo sur un jeu de baston qui était sorti sur PlayStation 2 et GameCube, si je me souviens bien. Il me semble qu'il était sorti que sur ces deux supports. Et il est sorti que au Japon, ou peut-être aussi aux États-Unis, j'ai un doute. J'ai l'impression que mon micro, excusez-moi, était mal mis. Voilà. Donc ce jeu, comme vous allez le voir, est vraiment très spécial car il mélange trois univers de manga différents, dont celui de Dragon Ball, celui de Naruto et celui de One Piece. Ce qui rend le jeu vraiment original. Et ça se présente un peu comme un Smash Bros. Donc on va tester tout ça. Alors j'ai testé le jeu brièvement. Je vais vous laisser la vidéo d'intro d'ailleurs, qui est vraiment sympathique. Voilà, Battle Stadium D-O-N, donc D pour Dragon Ball, O pour One Piece et N pour Naruto. Pour ceux qui en ont pas fait le rapprochement. Donc, vous voyez, sans japonais, donc vous voyez, je vais éviter de m'aventurer dans les menus. Vu que j'ai terminé le jeu, c'est vrai qu'au Japon, on c'est pour valider. Chez nous, en Europe, on a plus l'habitude d'appuyer sur croix. C'est ça que c'est. Donc on a pas mal de personnages, Sasuke, Naruto, Goku, Gohan, Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Piccolo, Vegeta, Sakura et Kakashi. Alors, il me semble qu'il y a des personnages cachés dans le jeu parce que en mode, celui que je vais faire actuellement, j'ai pu me battre contre Freezer et contre Cell, mais il doit y avoir d'autres personnages cachés de différents univers. Alors je vais vous proposer de faire une vidéo en prenant Son Goku, parce que c'est le seul personnage que j'ai utilisé pour le moment. Mais si vous souhaitez voir d'autres gameplays avec d'autres personnages, dites-le moi dans les commentaires. Je vais tenter... Ah, j'ai peur quand même en hard. Non, je vais jouer en normal. Je vais pas prendre de risques. Je sais, c'est mal. D'ailleurs, je devais remercier Sora Azukari qui m'a proposé ce jeu sur Facebook. J'avais déjà en tête de faire ce jeu, mais en fait j'avais complètement zappé. Donc voilà, merci à toi de m'avoir rappelé ce jeu. C'est vraiment excellent. Donc comme vous voyez, ça se passe comme un Smash Bros. Et pour ceux qui ont joué à Kingdom Hearts 2, au début du jeu, on doit combattre dans une arène. Et on doit récupérer des boules rouges pour éliminer son adversaire. Et là, c'est un peu le même principe. C'est celui qui ramasse donc le plus de boules rouges que son adversaire laisse tomber en le frappant qui gagne la partie. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment durer très longtemps si les adversaires sont nombreux. Hop.
petit Genki Dama. Allez, prenez ça. Ah ouais, c'est Sangoku, hein, ça rigole pas. Voilà, bon bah là j'ai gagné parce que ils avaient, j'ai tous mes adversaires en fait n'avaient plus de petites boules rouges là. Donc j'ai remporté la partie. Sinon, en général, je gagne rarement comme ça. En général, c'est avec le chrono que j'arrive à gagner. Donc il y a des objets comme dans Smash Bros. Ouais, j'ai ramassé un truc qui me fait déplacer plus rapidement. Alors j'ai le Genki Dama qu'on a déjà vu tout à l'heure. Alors plus je reste appuyé longtemps, plus mon Genki Dama est gros. J'ai aussi le fameux Kamehameha. Voilà. Hop. Ah ouais, c'est comme si j'avais pris un champignon. Hein. C'est vraiment, ça ressemble énormément à One Piece. À Smash Bros. Par contre l'épée, je l'aime pas trop. On va la laisser. Ça ressemble un peu à l'épée de Storm de Cloud de Final Fantasy VII. Alors, je me transforme en Super Saiyan et il me semble que c'est quand on est presque sur le point de gagner. C'est une transe. Ouais, là je suis vraiment en forme là, on les dit tous. Mais le jeu est pas vraiment difficile, en tout cas en normal, j'ai pas eu de difficulté. C'est pour ça que j'hésitais à mettre en dur. C'est juste arrivé vers la fin de ce jeu, parce qu'il y a plein de modes. Bah à la fin de ce mode, voilà justement. À la fin de ce mode, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ça devient plus dur à la fin du mode. Un peu comme tous les jeux de baston. C'est un peu bête ce que je viens de dire. Alors je fais pas beaucoup de Kamehameha parce que le Genki Dama est beaucoup plus puissant. Ah, Rocky, là, il me fait chier. Sinon, j'ai préféré... Merde, j'ai un handicap. J'ai préféré jouer à la version PlayStation 2, tout simplement, parce que je trouve qu'avec l'émulateur, les filtres graphiques ont l'air beaucoup plus efficaces. Alors après, s'il y en a qui le veulent, je pourrais vous faire une version du jeu sur GameCube, histoire que vous voyez les différences, hein, si ça vous tente. Avec un personnage différent, bien entendu. Pourquoi pas? Le jeu fonctionne très bien avec les deux émulateurs, que ce soit sur GameCube ou sur PlayStation 2. Allez, on va essayer de placer un Genki Dama. Ah merde! Alors, y a des trucs par exemple comme ça là que je ne sais pas encore faire. Voilà, oh là là. Heureusement que j'ai esquivé. Ouais, le jeu, j'ai vraiment commencé à y jouer. Bah, c'est ma deuxième partie là. Donc, j'espère que je vais être au niveau. Là, je me fais défoncer la gueule. Merde. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Inventaire, qu'est-ce qui... Ah merde! Chien. Là j'ai les trucs là de Naruto là, les kunai. Allez. Reverse attaque, c'est quoi ça? Allez, on va essayer de faire la boule la plus grosse possible. Allez. En train de gagner sans trop de difficultés. Allez, on devrait les toucher là. Ah, ils se sont protégés. Ah, ils les ont touchés. En tout cas, le jeu est vraiment pas très moche, quoi, je trouve. Pour de la PS2, ça reste joli. Surtout avec les filtres graphiques de l'émulateur là, c'est limite comme un jeu HD. Enfin, comme un jeu actuel, quoi. Sans trop m'avancer, hein. Allez, prends ça dans ta gueule, Rocky. Putain, l'autre, là, il m'énerve avec ses objets.
masque qui me gêne. Donc, voilà. Donc, comme vous allez, vous venez de voir, vous veniez de le voir. Putain, j'arrive pas à parler. On a des missions parfois dans. Attendez, le masque me gêne vraiment. On a des missions parfois donc en plein, enfin dans pendant un combat. J'ai du mal à comprendre les objectifs vu que c'est en japonais, donc c'est un peu dommage. Donc, ça va être la première fois que je me bats contre Trunks. Par contre, ce niveau, je l'ai déjà fait. Ouais, là, il y a une mission, mais je sais pas c'est quoi. Avec. Ouais, ce niveau, je l'ai fait tout à l'heure. Je le trouve horrible parce que, en fait, c'est aléatoire. Ça monte ou ça descend. Et donc, voilà, je peux tomber comme ça, comme une merde, comme j'ai fait. Oui, là maintenant ça redescend. Allez. Ah putain. Là ça remonte, c'est horrible. Allez, viens là, Trunk. Il meurt tout seul, c'est génial. Ah, mais fais chier. Je le déteste ce niveau. Il est horrible. Même l'ordinateur a du mal à gérer sur ce niveau. Il est vraiment horrible. Putain, on n'arrive même pas à se frapper, quoi. Voilà, prends ça. Ça à reprendre l'avantage, là, il va être obligé de descendre. Je réussirai à le fusiller. Allez, voilà, c'est bien ça. Hop, en Super Saiyan. Allez, prends ça dans ta gueule. Voilà. J'ai un peu concentré, désolé là, parce que ce niveau est vraiment horrible. Donc vous voyez, j'ai gagné sans difficulté, mais il y avait une mission. Donc les missions nous permettent de gagner des pièces, je crois, ou de l'argent, comme vous voulez. Et à la fin de ce mode, on a un mini-jeu qu'on verra tout à l'heure. Ah bah les trois héros dans le même combat dans un niveau de Naruto. Vous voyez du pâté. En tout cas c'est un jeu que je découvre avec plaisir et que je vous conseille fortement parce que il est vraiment excellent. En plus avec des personnes à jouer donc IRL, ça va être vraiment va vraiment bien se marrer. Un peu bas comme ça, je crois, hein. Hop, allez, viens là, Luffy. Ah, bâtard. Hop, augmenter ma vitesse, voilà. Prenez ça. Putain, Naruto, c'est un enfoiré. C'est moi qui fais des dégâts et c'est lui qui prend les points. Ah, j'avais pas vu, on pouvait aller sous la cascade. Ah, d'accord, mais allez. On va éviter d'y retourner. Oh non, mes points, bande d'enfoirés. Ah putain. Là, je suis mal. Oh. Ils sont tous les deux grands là. Ah, mais. Fuck le fil. En train de me faire défoncer. Allez. Hop. Oh merde, je pensais que ça allait passer à travers la cascade.
train de se battre, mais j'aime pas aller là-dessous là. Pas rien du tout. Oh là là, le film, c'est mal. Le film. Il nous fait chier. Ah bah j'ai perdu. Alors je sais pas comment ça se passe quand on perd. C'est la première fois que... Oui, à mon pied. C'est la première fois que que je perds. Bon, ça va, on a des continues. Ça va être la toute première fois que je me fail. Allez. On va faire plus attention cette fois-ci. On va jouer plus rusé. Et essayer de se frapper entre eux. Voilà, là, le fille va essayer de venir vers moi, tant qu'il y a là, dégage. Ouais, on va jouer comme ça. Regardez là, j'ai l'avantage pour le moment. Je suis en Super Saiyan. Allez, Naruto qui monte, il va se prendre le Genki Dama dans la gueule. Il y a les filles qui montent aussi. Ah, ils sont complètement idiots là. Allez, remontez, c'est ça. Voilà, ah bah j'ai gagné. Vous voyez, là ça a été super facile. Il faut juste trouver les failles de l'adversaire. Là j'ai réussi la mission et donc j'ai remporté les fameuses pièces. On va passer. Je les passe pas les chariots. Ils sont assez sympas. Vous voyez, là je vais me battre contre Cell, un personnage que je ne pouvais pas choisir dans le menu. D'ailleurs, il est plutôt bien dessiné, je trouve. Mais il me semble pas que ça aille jusqu'à bout, hein. Ça s'arrête à Cell. Mais bon, c'est déjà pas mal pour un jeu de ce genre où il y a beaucoup de mangas. Ah, je vais les défoncer là. Ah bah oui, ils ont aucune chance. En face à face sur un niveau comme celui-ci, un peu comme le niveau de Pokémon dans Smash Bros. Bah j'ai terminé le jeu. Enfin, le mode. J'aime pas parler pendant les cinématiques. Non, je rigole. Je suis un peu foufou ce soir. Donc là, on a, comme dans tous les jeux, la fameuse liste des développeurs du jeu. Donc ça, on va passer, on s'en fout. Et je vais vous montrer donc le mini-jeu que je vous parlais tout à l'heure. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai 27 pièces, c'est écrit à droite. J'appuie sur quelle touche. Et donc, bah, faut que j'utilise toutes mes pièces comme ça. Et je peux gagner des trucs, mais je sais pas c'est quoi. À cause de la langue que je ne connais pas. Vous voyez, là, j'ai gagné plein de trucs. Mais, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on débloque des personnages? Je sais vraiment pas. C'est vraiment dommage que le jeu n'ait pas sorti au moins en anglais. Parce qu'en japonais là. Ça va être compliqué. Donc j'active la sauvegarde automatique. Et voilà, on se retrouve dans le menu. Donc je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de voir ce jeu avec d'autres personnages, par exemple avec Naruto ou avec Luffy, faites-le moi savoir et j'en ferai peut-être prochainement selon les demandes. Donc voilà, à la prochaine tout le monde, bye!